J'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Tagada83 Créa. Je ne sais pas si vous les entendez, les cigales, je suis pas sûre. Mais bon, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau partenariat. Donc, c'est une boutique que je ne connais pas. C'est la boutique New Craft Day. Donc, j'ai été contactée par Anna le 20 juillet. Et donc, aujourd'hui, nous sommes... Ah, j'ai pas ma montre. Le 4 ou le 5, le 5 il me semble, et j'ai reçu le colis donc aujourd'hui. Voilà, donc j'avais un budget de 15$ pour faire mon choix, et du coup j'ai dépassé un petit peu de 40 centimes, mais ils m'ont envoyé quand même. Voilà, donc on va regarder ça ensemble, et puis ben, je vais vous dire. Donc je l'ai reçu dans le fameux sac comme ça pour la pluie, et à l'intérieur. On a trois produits, me semble, 1, 2, 3, 4 produits. 2, 3 et 4. Voilà, on a 4 produits. Alors, le premier. Donc, le premier, c'est un petit sticker. Voilà, donc c'est un petit lapin, comme ça. Il est au prix de 1,92€. Donc, je pense pas qu'il y ait beaucoup à diamanter, hein. Mais on va regarder ça. Donc on a le petit toolkit de base avec barquette, colle, stylet. Ensuite on a les diamants. Donc voilà, il y a juste deux couleurs. Donc pour faire un petit truc vite fait ou pour un enfant, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ce sont des diamants ronds qui sont bien taillés. On a le petit sticker comme ça. Que vous pouvez coller où vous voulez après, hein, celui-là, vous le découpez, vous le détourez, ça peut servir dans le scrap ou mettre sur les cahiers, enfin voilà, comme vous voulez. Et donc voici l'autocollant, voilà. Les dimensions, il n'est pas très très grand, hein. Il fait 8,5 de diamètre. Au niveau de la colle, ça colle bien. Ah, c'est ça que je voulais voir, si c'était transparent ou pas. Quand on le décolle. Ah ben oui, voilà. Donc vous voyez, quand on le décolle, il est transparent. Voilà. Donc c'est sympa. 1,92€. Voilà. 1€. Non, 1,92€. Donc c'est un peu moins en euros. Donc voilà pour ce premier article. Il est trop mimi avec les petites joues roses. Il va y en avoir deux petits roses. Au niveau du choix des choix de couleurs, ben comme ça, normalement, les enfants ne peuvent pas se tromper. Hein. Il n'y a pas beaucoup de choix de couleurs. C'est blanc ou rose. Donc, voilà pour le premier article. Ensuite, pour le deuxième. Donc, si je me souviens bien, c'est une suspension. Donc, j'ai commencé à en voir une, je crois que j'en ai vu qu'une seule, sur la chaîne de Jolie DP, Adèle. Si tu passes par ici, Adèle, coucou. Voilà, je mets toujours 2 heures à trouver l'ouverture. C'est quand même dingue, hein. Non, ah, c'est là. Voilà, en plus, bien sûr, ce sont des sachets qui font un bruit du tonnerre. Donc, vous vous doutez bien que j'ai pris des articles de Noël, hein, forcément. Donc là, on a la petite pampille qui va venir se mettre après. Donc, il y a les petites perles comme ça. Et, ben, viens ma fifi. Là, on a le gros cristal. Vous le mettez dehors et après, avec la lumière du soleil, ça va venir éclairer partout ou même dedans, quoi. Ça fait des rayons lumineux. Il est énorme, hein, le truc. Je ne sais pas si vous voyez. Tu n'arrives pas à rentrer, ma fifi? Elle vient. Elle n'arrivait pas à rentrer. Donc, elle fait 5 cm de long. Et en large, elle fait 3. Donc, voilà. Elle fait 5 par 3. C'est énorme. Et là, donc, on a d'autres petites attaches. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, il y a des petits crochets et une chaînette.
Donc, c'est pour attacher la suspension. Voilà, les petits crochets, ils sont comme ça. J'ai jamais vu des petits crochets comme ça. Bon, on verra après. Voilà. Donc, on retrouve un toolkit de base stylet colle barquette. Elle est en train de s'exciter sur une serpillière. Alors, voilà la petite suspension. Donc, le plastique, il s'est un peu enlevé. Voilà. Voilà, c'est un petit bonhomme de neige. Voilà, donc il est diamant. Il faut le diamanter des deux côtés. Les symboles sont plutôt pas mal. Ouais. J'aime bien, moi, ces petits objets faciles et rapides à faire. Ah non, non, le... Ah oui, si, si, on le fait des deux côtés, mais il est imprimé que d'un côté parce que là, on le voit en transparence. Voilà. Donc, on a un trou ici pour mettre la chaîne de suspension. Voilà. Et un trou en bas pour mettre la pampille. Voilà. Donc, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Il n'est pas très cher. Suspension 4,30 €. Et donc, on a les diamants. Hop. Donc, ce sont des petits cristaux de toutes les couleurs. Il n'y a pas de diamants spéciaux, apparemment. Non, ce sont que des petits... Ah si, il y en a un, c'est des petites gouttes. Chouette. Donc, on a juste les petites gouttes là qui sont vertes. Et autrement, ben voilà, ce sont des petits cristaux un peu de toutes les couleurs. Ce sont des ronds. Et là, ce n'est pas des AB. Hein, le... Ah si, non. C'est juste des blancs. Voilà. Je pense qu'il devrait être bien sympa celui-là. Ah, j'aime bien. J'aime bien. Bon, c'est Noël en même temps. Hein, oui. En même temps, quand c'est Noël, moi, j'adhère. Ensuite, ça, on va le mettre dedans. Avec toutes les petites attaches. Ça rentre pas dedans, ça? Bon, je verrai après. Hop! Voilà pour la petite suspension avec le cristal. Ensuite, j'ai pris une toile. Donc, c'est un DP partiel pour Noël, toujours. Hop. Donc, on a le petit kit basique, barquette et stylet et pain de colle. Oh, elle est jolie. Elle est jolie. Donc, on a les diamants là. Et voilà. Franchement, ça trouve très joli sur le fond bleu marine comme ça. Elle donne vraiment bien. Même quitte à la découper pour garder juste la couronne, pour mettre sur une porte ou quoi, ça peut être sympa. Mais le fond bleu, je trouve vraiment joli. Donc, ce sont des diamants spéciaux et des petits cristaux. On a des petites étoiles. Voilà. Des petites couleurs. J'aimais bien, en fait, le fait qu'il n'y ait rien d'autre que de la verdure et des boules de Noël. En général, on trouve toujours ou un Père Noël, ou un renne, ou un bonhomme de neige, ou, voilà, dans ces couronnes-là. Mais celle-ci, elle n'avait rien. Et je trouvais ça vraiment sympa. Voilà. Les couleurs ont l'air vraiment, vraiment bien. Donc, on a la petite photo en haut. De toute façon, je vous mettrai la photo à côté hein, pour vous montrer ce que ça donne. On a la petite légende ici. Et on l'a aussi en bas. Voilà. Alors, il y a 12 couleurs. Ça colle très, très, très bien. Donc, c'est une 30x30 bord inclus, hein, bien sûr. On va vérifier. Oui, voilà. Donc, c'est 24,5 x 24,5. Et la couronne en elle-même, combien elle fait? On va prendre au plus grand.
Elle fait... Allez, 19, on va dire. 19 et... Au plus grand, 18. 19 par 18 à peu près. Voilà. Et franchement, je la trouve vraiment très très jolie. J'aime beaucoup. Je ne regrette pas de l'avoir prise. Donc celle-là, c'était, elle était à 4,07 $. Oui, ce sont des dollars que je vous ai donnés, pas des euros. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Qu'est-ce qu'il y a, ma pépette? Donc, au niveau des diamants. Donc, on a pas mal de diamants spéciaux. Donc, on a des demi-perles très épaisses comme ça, là. Rouge. Voilà, je vais mettre là dans le blanc. Ensuite, on a des petites navettes multifacettes vertes. On a des petites étoiles argentées. On a des petites navettes bleues toutes lisses. Ensuite, là, on a comme des étoiles en AB. Je ne sais pas si vous allez... Voilà, on voit un petit peu les reflets. Et c'est... Après, ce sont des petits cristaux ronds, tout simple. Voilà, du vert, du bleu, du argenté, du vert et du rose. Voilà. Oh, elle va être bien sympa, cette petite... cette petite toile. Je suis contente. Hop. Je marquerai après le nom de la boutique sur la toile. Voilà. Et donc, le dernier article. Donc, c'est toujours une suspension. Donc, je vais vous montrer. C'est pareil, vous avez déjà vu sur d'autres chaînes. Hein, mais moi, j'en avais pas. Et du coup, bah, je voulais essayer... Pour voir ce que ça donne. Donc, je crois que c'est aussi de Noël. Hein, parce que là, j'ai fait mon stock pour Noël. Ce Noël et quelques Noëls à venir, je pense. Donc, c'est une suspension pareille avec des plumes. Donc, la suspension, c'est celle-ci. Mais pareil, je vous mettrai la photo ici. Hein. Voilà. Alors, moi, je vais changer les plumes. Parce que je trouve que ça ne fait pas Noël du tout. Et je vais changer les boules aussi. Je vais vous expliquer comment je vais faire. Et oui, il faut allier un peu le scrap et tout ça. Donc, c'est fourni avec un sachet avec les plumes, le fil pour suspendre les petites boules. Voilà. Ensuite, on a donc les diamants. Le petit toolkit de base. On a la petite ventouse avec le petit crochet ici pour pouvoir la mettre sur la vitre. Ça, c'est cool. Et voilà. Oh, ben, elle est trop mignonne. Ah, je ne regrette pas. Franchement, elle est trop mignonne. Alors, il faut le diamanter des deux côtés. Et voilà. Franchement, il n'est pas trop chou. Moi, j'aime bien. Donc, pareil de l'autre côté. Et vous diamantez des deux côtés. Alors, ça colle super bien. Les symboles sont très, très bien imprimés. Voilà. Et donc, au niveau des diamants, on a un fil ici aussi. Donc, je ne vais peut-être pas les défaire. Là, il y a des AB roses. On les voit là. Voilà. Rose rouge. On a du marron. On a des petites navettes. Non, mais je vais l'enlever, le fil. Je ne sais pas pourquoi il y a le fil. Bon, je verrai après. Mais il va bien, il doit bien servir à quelque chose, ce fil, en tout cas. Hop. Attendez, je vais l'aider parce qu'elle vient. Ah ben voilà, c'est bon. Voilà. Alors, on a les petits cristaux comme ça. Là, on a les AB un peu roses. Donc, juste là, ce sont que des cristaux ronds. Ils sont bien bleus, là. Et ensuite, on a des petites navettes à multifacettes vertes. Des petites navettes à multifacettes rouges. Voilà. Alors, je vais vous expliquer, moi, ce que je vais faire. Donc, je vais le diamanter, bien sûr, avec tous les diamants et tout ça. Et je vais mettre, en fait, à pendre des... Au lieu de mettre ces perles-là, qui, je trouve, font très enfantin et un peu plastique, hein, faut se le dire.
Je vais mettre des petites perles en bois qu'on trouve chez Action, qui sont très très bien. Et je vais mettre des plumes blanches, puisque j'ai des plumes blanches. Donc voilà, je mettrai, au lieu de mettre des plumes en couleur, je vais peut-être garder les deux beiges là, peut-être la rose, mais après je vais mettre des plumes blanches. Je ne veux pas mettre des couleurs comme ça, parce que ça ne me plaît pas. Les gros lots, j'en ai des argentés aussi et des dorés. Donc, je vais changer aussi les gros lots. Voilà. Donc, ça fera autre chose. Je vous le montrerai quand je l'aurai fini. Peut-être même qu'on fera une partie ensemble. On verra. Ouais, je pense. Ah, il y a tout qui s'envole. Voilà, je le remets dedans avant que tout s'envole. Ah, ben, il y a ça aussi avec. Mais c'est trop joli, ça. C'est des flocons de neige. Ça, pour le scrap, c'est top. Parce que je ne vais pas tous les utiliser. Hein. Il en faut 1, 2, 3, 4. 4. Et regardez, j'en ai encore. J'en ai 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. J'en ai. Alors que j'en ai besoin que de 4. 8. Parce qu'il y a l'autre côté. Des petits flocons. C'est trop mignon, ça. Voilà. Pour les petits albums de Noël ou d'hiver, ça c'est tip top. Voilà. Non, il est bien ce kit, je suis contente. Je suis vraiment contente de l'avoir choisi. J'aime beaucoup le design. Donc c'est très très bien. Je ne sais toujours pas à quoi sert cette ficelle. Je verrai quand je le ferai. Hein. Peut-être pour attacher les plumes. Non, on ne voit pas. Ou peut-être pour l'attacher lui tout simplement. Je ne sais pas du tout. Donc, on va le remettre comme ça. Tu sais pas ce que tu veux, toi, hein, Kiki. En fait, elle veut que j'aille dans la chambre pour qu'elle puisse se coucher sur le lit. Parce qu'elle aime pas rester toute seule, là. Depuis que je suis revenue, elle ne me lâche plus. Elle a peur que je l'abandonne. Donc, voilà pour la petite suspension. Et donc, cette suspension était à... Paf, 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 5,18 €. Donc voilà, le tout, les 4 articles, ça fait 15,40 €. Donc ça va, c'est pas trop trop cher. Et au niveau des frais de douane, on n'a pas besoin de s'en occuper, c'est eux qui les prennent en charge. Voilà, donc ça c'est cool aussi. Maintenant, je demande, quand c'était des partenariats, je leur demande comment ça se passe pour les frais de douane, pour pas qu'on ait de surprise. Au moins, on est tranquille et voilà, on le sait d'avance. Donc, et ben voilà pour ce petit partenariat. Je remercie Newcraft D et Anna pour m'avoir sollicité. C'est toujours bien. Moi, j'aime bien montrer des produits et tout ça. Puis, ben, faut pas se le cacher. Hein. C'est des produits qu'on a gratuitement. Donc, c'est vraiment sympa. Et voilà. Donc, ben, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu voir d'autres versions. Parce que c'est vrai que ben, chez moi, vous voyez beaucoup de Noël. Même si ce n'est pas la période. Mais au moins, comme ça, bah, ça vous donne des idées pour Noël. Voilà. Et bien, écoutez, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche et à mettre un like si ce n'est pas déjà fait non plus. En attendant, ben, moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss !